Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi récupérer notre pays maintenant? Pourquoi le moment est venu de récupérer notre pays du joug d'Nguesso et du clan de l'oligarchie? D'abord parce que historiquement, il y a eu des pays qui ont disparu. Et il me semble que nous sommes à deux pas aussi peut-être de disparaître. Oui, il y a une inversion de la population qui s'est faite en ce moment. C'est-à-dire les peuples, la population était de décroître, en même temps on était remplacé par les étrangers, et demain nous pourrons disparaître. Progressivement. Mesdames, Messieurs, pourquoi le moment de récupérer notre pays est arrivé? Parce que nous vivons sous les jougs de l'occupation par Sassou et les clans d'Nguesso. Oui, nous vivons sous l'occupation. Vous savez que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité, leur liberté et leur dignité d'ailleurs. Cela veut dire que la liberté et la dignité ne s'achètent pas, elles s'arrachent. Bien sûr que la liberté est ancrée dans l'ADN de certains peuples. Il y a des peuples qui ne se laisseront jamais faire. Il arrive une situation, ils s'indignent pendant un moment donné et après ils agissent, point barre. Donc nous devons aller dans cette dynamique-là. Parce que si nous restons sur le joug d'Nguesso, je pourrais vous poser la question s'il suffisait d'obéir aux lois indignes et injustes et aux élections tyranniques, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils non seulement la liberté et la dignité, mais également les alternatives ou l'alternance politique? Bien sûr que non, sinon ça cesserait. Et pourquoi? Parce que nous vivons dans une dictature antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Oui, quand on parle de dictature, on pense tout naturellement à un dictateur. Vous savez qu'un dictateur, c'est un homme politique qui applique quelques libertés contre la volonté du peuple. Un dictateur, c'est aussi un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf un soulèvement populaire. Et pourquoi? Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Historiquement, c'est de cette façon que tout s'est toujours passé à travers le monde. Et nous ne ferons pas exception à la règle. À moins que nous nous définions comme un peuple de moutons, et à ce moment-là, on deviendra les esclaves des Sassou et d'Nguesso pour des générations et des générations. C'est un choix de société. Une société de soumission, une société de moutons, ou qui engendre le pouvoir des tyrannies des loups, et on devient tous des esclaves. Est-ce que nous voulons ça? Mesdames, Messieurs, non, bien sûr que non. Donc, le moment est venu de récupérer notre pays par un soulèvement populaire. L'enjeu est de mettre seulement les gens dans la rue. Sassou n'a pas peur des armées, n'a pas peur n'importe qui. Il a peur du peuple. Dès que le peuple est dans la rue, Sassou sera créé parce que notre but, nous avons 1,5 million de personnes dans Brazzaville. Mettons ça dans la rue, simplement. On peut souffrir pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, un mois. Le but est d'entrer dans l'engrenage de la violence entre la tyrannie et le peuple. Mais de toute façon, dans 99% des cas, c'est toujours le peuple qui gagne. Donc, nous devons d'abord éviter les pièges avant de mettre les gens dans la rue. Parce que le système Sassou-Nguesso n'est non seulement pas aménageable, mais il a aussi des complices. Parce qu'une dictature
telle que la nôtre, qui a 33 ans déjà de confiscation du pouvoir et aussi de violence, ne peut pas continuer à subsister, à exister, sans qu'il y ait des complices. Donc ces complices sont du nord au sud, de l'est à l'est. Mais il me semble que certains, que ce soit dans la, surtout pour certains qui vont en Montjoie, qui se roulent que pour leurs intérêts, le piège est là, ils viendront créer des amalgames. Bien sûr, les amalgames là, consistent toujours à conserver leurs privilèges, leurs intérêts personnels, leur liberté achetée, leurs conditions sociales achetées à la dictature. C'est du dono-dono. Tu trahis le peuple, tu es avec nous. Si tu trahis pas le peuple, tu n'es pas avec nous. On te déclasse socialement. Donc, c'est obligé d'aller au mangeoir. En achetant leur liberté et leurs conditions sociales. C'est les mêmes qui viendront utiliser le peuple comme si c'était du bétail électoral ou humain. Bien sûr qu'on est au cœur de ces amalgames, alimentent les intérêts partisans de ces gens-là. Bien sûr qu'ils ont utilisé leur fief électoral comme du bétail humain qui les exhibe aux yeux du dictateur. Mais cela a fonctionné à un moment donné, mais non, ça n'a pas fonctionné au vu des élections présidentielles passées. Donc, ça ne marche plus. Donc, eux, ils cherchent toujours à créer ces amalgames-là pour déclasser le peuple et le pays et les laisser aux mains du clan de Sassou et d'Engesso. Et ce que le dictateur en train de préparer actuellement, c'est la venue au pouvoir de son fils, accompagné de tous les mêmes qui viennent au mangeoir en tenant compte de leurs intérêts particuliers et ça déclasse le pays. Donc nous devons nous libérer déjà de ces gens-là. Bien sûr qu'à la libération, ils seront aussi récupérés et traités. Mais bien sûr que ceux qui viendront du côté du peuple pendant que le peuple sera dans la rue, et à ce moment, il y aura des arbitrages à la fin. Donc, vous devez prendre votre liberté en main. Parce que dans un combat dur et passionnant comme le nôtre, bien sûr qu'il est dur et passionnant, mais il faut toujours s'entourer des gens qui ont la même mission que vous. Bien sûr que ceux qui alimentent les amalgames, ils sont comme des girouettes, donc c'est des opportunistes. Donc quand les intérêts d'un peuple sont en jeu, on ne va pas fonctionner avec des gens qui jouent au l'opportunisme. Nous devons avoir des gens qui sont motivés, déterminés à découdre avec cette dictature, en s'appuyant sur le peuple comme un seul peuple, dans une dynamique qui consiste à arracher notre liberté et notre dignité et enfin récupérer le pays. Vous l'aurez compris. Donc le piège est là. Tous ceux qui viendront faire des amalgames, le négationnisme, la confusion, vous les classerez, classez ça comme des ennemis du peuple. Ceux qui sont avec le peuple, il n'y aura qu'un seul mot-clé, ça se dégage, tous au palais, on reprend le pays. Il n'y a que ça. Tous au palais, même pas peur. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On est bien d'accord. Donc, il y aura de la casse. Au final, nous allons récupérer notre pays et enfin faire le deuil de tous ceux qui sont tombés. Déjà pendant ces dernières années, on n'a jamais eu de procès, on n'a jamais eu d'empathie autre envers ces morts. Ils sont là. Donc, il faudra les dans le sens du devoir de mémoire. Et enfin, il faut restaurer l'État et son autorité, les administrations, les comptes publics, le but de la condition humaine au Congo, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la justice pour tous, la sécurité, à l'éducation, formation, emploi, aux soins, à la nourriture, au cadre de vie, à la mobilité, etc. Nous avons les capacités politiques aujourd'hui des nouvelles générations. Ils sont motivés, déterminés, très intelligents d'ailleurs. Nous avons des ressources tant naturelles que humaines. Mais qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas besoin d'aide. Les technologies sont disponibles partout.
Les technologies sont disponibles partout. Nous avons des ressources. Nous avons les hommes intelligents qui ont la motivation, la volonté de. Donc, nous n'avons pas besoin d'aide économique. Nous avons besoin des partenaires économiques, pas des coopérations. On ne nous a pas aidés. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Parce que si nous attendons la communauté internationale, nous resterons aussi longtemps sous le joug d'Nguesso qui se prépare aujourd'hui. Le plus dur du régime Sassou Nguesso est passé avec la complicité de ces mêmes qui viennent alimenter ou créer des amalgames. Et qui le matin ils sont avec le dictateur, le soir ils sont avec le dictateur et le matin ils sont avec le peuple. Ils font ce jeu-là. Ça s'est duré. Nous avons construit une digue au référendum. La digue a cédé parce qu'il y a toujours ces mêmes qui sont représentent leurs intérêts particuliers et partisans. On les connaît. Arrivé au présidentiel anticipé, ils ont cédé et ils continuent à alimenter ces amalgames. Et pour eux, ils vivent de ça. Donc nous devons arracher notre liberté et notre dignité, ne plus compter sur ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais qui a un cerveau peut devenir président. Donc, vous êtes en capacité de fabriquer votre génération nouvelle. Or, mettons les gens dans la rue, tous au palais, il n'y a plus à attendre. Les gens qui viennent faire les amalgames là, on les connaît déjà, on dit arrêtez. Ils seront bien sûr récupérés. Donc, je dis seulement, je donne un message à ces gens qui travaillent pour leurs intérêts particuliers et partisans, au détriment bien sûr de l'intérêt général. Bien sûr qu'ils ont acheté leur liberté, leurs privilèges et leurs conditions sociales. Ils viennent alimenter les amalgames, ils viennent créer la confusion. Mais il est temps de récupérer et de rejoindre le peuple et maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Tant pour le pays, aussi pour vous. Parce qu'à la libération, il n'y aura pas de quartier. On connaît ceux qui étaient avec le peuple et ceux qui n'étaient pas avec le peuple. Ceux qui étaient en train de trahir le peuple et ceux qui faisaient le jeu. Ça se saura. Ça se saura. Mais il peut y avoir, ce n'est pas des machines, c'est des humains, c'est des gens qui ont bien sûr la volonté de réformer ce pays, mais c'est des gens qui vont analyser situation par situation. Donc, cas par cas, au cas par cas. Donc, vous devez prendre votre responsabilité individuelle face au déclassement général du pays qui est en cours et avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il est déjà trop tard, vous avez cédé à Sassou, en 2015, puis en 2016. Sassou l'a bien dit dans les officines d'Oyo, le plus dur était passé, avec la complicité de ces mêmes qui jouent aux intérêts, qui roulent que pour les intérêts particuliers et partisans. Tout était passé. Maintenant, ce qui se passe là pour les législatives, puis l'arrivée au pouvoir de Kiki, c'est un agenda purement technique et juridique, puisque le plus dur est passé. Est-ce que nous allons laisser encore, Sassou continue à briser cette digue qui est le peuple qui veut en découdre avec ce régime. Vous avez cédé au référendum. Vous avez cédé pendant les présidentielles. Au lieu d'être unis comme un seul peuple contre ceux qui ont gagné, sont passés au premier pour se former. Vous avez créé la division. Vous continuez à alimenter les amalgames. Et aujourd'hui, le régime veut passer pour préparer l'arrivée de son fils ou un membre du clan, et vous êtes l'autre d'accompagner. Et vous êtes, si vous êtes des esclaves de Sassou et d'Nguesso, tant pis pour vous. Mais ce n'est pas le peuple. Donc, faites attention. Pour le peuple, nous avons un seul mot-clé, même pas peur. Mandela l'avait pourtant dit, cher peuple congolais. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Je répète, Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nous pouvons le vaincre, même pas peur. Mettons les gens dans la rue, il y aura la casse. Au final, nous allons récupérer le pays et enterrer nos morts et honorer nos morts et réformer le pays, restaurer le rang du pays dans la sous-région et à l'échelle continentale. Nous avons les ressources, tant humaines que naturelles.
Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, donc tous dans la rue à Brazzaville, mettons les gens dans la rue. Donc ceux qui viennent parler des amalgames, n'écoutez plus ces gens-là, c'est fini. Ce GIAC, c'est terminé. Ok? Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais.